et lâcher la barre. Ce QTE, voilà, est le but du jeu. Alors, je vais essayer de vous expliquer avant qu'il y ait les ennemis qui arrivent. Le but du jeu, ça va être de se placer à peu près au niveau du petit muret qui se trouve ici. Arrivé au petit muret qui se trouve ici, on va viser à 45 degrés à peu près au niveau des rochers par là. Vraiment dans le rond que je fais avec ma souris. Ce qui va nous permettre de monter sur la pente qui se trouve ici même avec ce rocher là. Je vais essayer de vous le montrer une première fois. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de le faire plusieurs fois. Je vise là. Merde, je vise là. J'enlève ma visée, je saute. Ça marche pas. Si. Non, ça ne marche pas. Je suis mort. Pourquoi, je ne sais pas. D'habitude, j'arrive à le faire du premier coup. Ça arrive. Moi, ce que je fais en général, c'est que je me place à peu près comme ça. Au niveau de ma caméra. Et voilà, ça passe. Donc, vous voyez, j'ai monté cette pente. Ce qui me permet ensuite de sauter sur ce rocher-là. De monter là. La grille n'est pas solide. Vous vous retrouvez sur le côté. De ce côté-là, vous allez sauter vers la montagne. Or, si vous êtes expulsé vers le bas, ne vous inquiétez pas. Lara va quand même trouver un moment solide. Vous allez vous retrouver ici dans la montagne. Vous voyez, la montagne a l'air solide visuellement, sauf qu'elle ne l'est pas. Mais le solide est à l'intérieur. Vous allez sauter à peu près jusqu'au sommet, vous voyez, jusqu'à là. Et vous voyez cette petite corniche. Cette petite corniche, hop, je m'y approche. Cette petite corniche, vous allez sauter dessus, voilà, sans rentrer dans la zone de combat. Si vous re-rentrez dans la zone de combat, vous êtes obligé de refaire le OB. Une fois ceci fait, vous sautez sur la corniche blanche. Vous êtes toujours derrière, évidemment. Ici, c'est pas solide, vous pouvez vous retrouver là. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'à la tour radio. Donc on va sauter vers ces montagnes. On va monter jusqu'au pic de cette montagne. Là, on va monter, pareil, jusqu'au pic, mais en direction de la tour radio. Là, on va sauter vers ces buissons. On va sauter encore une fois vers les buissons. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le fameux esquive jumping qui permet d'aller plus vite.